Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Bref, tout est en place ici et on n'attend plus que les 22 acteurs pour débuter la rencontre. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. L'entraîneur aurait donc aligné un 4-3-3. L'important, ça va être les deux attaquants excentrés. C'est une formation très flexible qui peut passer du 4-3-3 au 4-5-1 à la perte du ballon, avec les deux ailiers qui descendent pour défendre. Alors c'est sûr, il faut qu'ils soient piqués, qu'ils fassent des efforts, mais c'est très efficace, notamment pour déborder et centrer. Et on rentre dans le vif du sujet. Brésil, qui veut se projeter. S'échappe le long de la ligne. Centre. Le bon dégagement. Et la défense se donne de l'air. Brésil. Chouameni. De la jouer dans l'espace. Et la bonne intervention. Faute. Jouer long, attention, quelle occasion, attention! Bien repoussé par le gardien. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Premier corner dans cette rencontre. Danger repoussé pour le moment. Relance côté droit. Il y a peut-être un coup à jouer. Bien tenté. Va-t-il en profiter? Long ballon dans le sens du jeu. Un ballon intéressant. Bien tenté cette passe dans le dos de la défense, mais c'est intercepté. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Pour trouver la faille dans la défense. Il peut frapper. Ça y est, ce match est vraiment lancé. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Ça fait 1-0. Ça c'est fait. Maintenant il va falloir garder ce tempo.
Bordeaux qui mène d'un but, mais qui va évidemment repenser longtemps à cette occasion manquée. Un premier bilan peut-être après ces 45 premières minutes. C'est presque dommage de mener seulement 1-0 quand on a eu autant d'occasions. Ils ont clairement dominé dans ce domaine, espérant un peu plus de réalisme en seconde mi-temps. Un petit but sépare les deux équipes, 1-0 à la pause. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Et voilà une avance qu'il va falloir défendre maintenant. Pourquoi pas tenter de faire le break rapidement? Il glisse le ballon en profondeur. C'est joué long, attention, ça joue à gauche. Chouameni qui tente une passe longue. Il décide d'allonger le jeu. Il joue dans l'espace. On joue sur l'aile, il est servi. Dans la surface, il prend sa chance. Techniquement, c'est superbe, mais ça ne donnera rien. Ah, c'est pas bien. Il a du champ sur le côté. Attention, le coup de tête. Bien vu l'avance, la différence est faite. Quelle envie, il s'est jeté sur ce ballon. Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part. C'est reparti sur ce score de 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Il tente de la jouer dans l'espace. Voilà, qui met sans doute un terme définitif à tout suspense. Et voilà le risque quand on perd le ballon au milieu de terrain. Une mauvaise passe et quelques secondes plus tard, on s'en prend. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Ballon récupéré. Oh, le tacle super. Il file dans l'axe. Tacle parfait, l'arbitre laisse jouer. Quelle passe. Allez au bout. Le bon, il tire. Ça, c'était une occasion, elle est manquée. On a vu avec quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excellent dans l'art de contre. Très beau mouvement. Changement n'a pas franchement été décisif, alors là, l'entraîneur a battu sa deuxième carte. La passe est précise. Pour trouver la faille dans la défense. Ça pourrait être dangereux. Ça peut être extrêmement dangereux. On peut y aller. Oh, le coup de génie. Quel but. De pure inspiration. Ah, le lob, il est magnifique. Mais c'est magnifique. C'est presque scandaleux d'avoir autant de talent. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus, alors il valait mieux sortir maintenant plutôt que le voir courir jusqu'à lui. Et s'il parvenait à revenir dans ce match? Un long ballon vers l'avant. C'est joué long, attention. Allez, ça peut faire mal. Ils obtiennent la touche. Chouameni reçoit le ballon. Un centre, bien. Il met la tête. Il peut récupérer, deuxième chance. Être précis. Quelle détente!
dernières secondes. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Vous savez, on dit qu'on apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. Et pourtant, tous les joueurs que je connais préfèrent gagner. C'est drôle, non? C'en est terminé, Darren, pour cette belle soirée de football. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. Bonsoir. Tout le plaisir a été pour moi.